Europe 1. 8h13 sur Europe 1. Bonjour Stéphane Bern. Bonjour à tous. Ah là là, vous êtes un peu loin, mais vous avez de la chance. Vous êtes à Londres pour suivre le jubilé de platine d'Elisabeth II, The Queen. Un énorme ferveur autour d'elle hier pour cette célébration qui va durer 4 jours. Stéphane, peut-être j'ai une première question. Vous avez suivi évidemment cette première journée de jubilé. Ça s'est poursuivi toute la nuit, mais peut-être pour commencer, qu'est-ce que c'est un jubilé pour nos voisins britanniques, Stéphane ? Eh bien, un jubilé pour nos voisins britanniques, c'est d'abord l'occasion unique de célébrer leur reine. D'abord de célébrer l'histoire aussi, parce que il y a eu d'autres jubilés dans l'histoire, celui de la reine Victoria qui a fêté ses 50 ans puis 60 ans de règne, et puis en 1887-1897, puis ensuite George V avait fêté ses 25 ans de règne en 1935, mais depuis lors, il n'y avait pas eu de souverain qui eut une longévité aussi importante qu'Elisabeth II. Elle a pu fêter en 1977 les 25 ans de ses noces avec le royaume, c'est-à-dire son jubilé d'argent, puis ensuite son jubilé d'or, son jubilé de diamant en 2012 et enfin le jubilé de platine. C'est-à-dire qu'elle détient le record de longévité sur le trône pour un souverain britannique, 70 ans. Dans quelques jours, elle deviendra le deuxième souverain ayant régné le plus longtemps dans l'histoire du monde et dans 2 ans, si Dieu lui prête vie, eh bien, elle dépassera le record de notre souverain Louis XIV, mais il a commencé enfant, Louis XIV. Donc, je devrais dire que ça ne compte pas. Voilà. Ah oui, souverain à 5 ans, Louis XIV, c'est vrai. Hein. Alors, on l'a vu hier, Stéphane, se montrer au balcon du palais de Buckingham, entouré de la famille royale, qui était arrivée en calèche un petit peu plus tôt. Hein. Ils ne sont pas venus en voiture, ils sont venus en calèche. Elle a été acclamée par des dizaines de milliers de personnes, mais alors, elle n'assistera pas aujourd'hui à la messe qui est programmée aujourd'hui en la cathédrale Saint-Paul, invoquant son inconfort après la rude journée d'hier. Inconfort, Stéphane, bel euphémisme, c'est un secret d'État, le bulletin de santé de la reine ? Oui, alors, elle n'en fait pas un secret. La seule chose, c'est qu'elle ne veut pas se montrer dans une situation de faiblesse. Il faut comprendre que la reine Elisabeth incarne la nation britannique et qu'elle ne veut pas donner le sentiment qu'elle n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions régaliennes. C'est elle qui signe les lois, c'est elle au nom de qui on nomme les juges, les directeurs de comté, les shérifs de comté, mais aussi on rend la justice en son nom. Donc, elle ne supporte pas l'idée qu'on puisse la voir dans une situation de faiblesse. Or, elle est apparue hier, certes, au balcon, mais assez fragile. On la voit, et elle est apparue hier soir aussi pour illuminer les lampions qui, dans tout l'Empire, ou l'ancien Empire, disons maintenant le Commonwealth, ont illuminé et lancé des festivités de son jubilé. Donc, elle est apparue 2 fois hier, mais de façon assez fragile, et au fond, il cherchait une explication pour dire qu'elle ne pourrait pas assister pendant 1h30 à un office religieux célébré en la cathédrale Saint-Paul ce matin. Oui, c'est cette ligne de conduite de la reine « Never explain, never complain », ne rien expliquer des coulisses de la famille royale, de son intimité, ne jamais se plaindre aussi. Vous avez rappelé, Stéphane, la longévité du règne d'Elisabeth II. Les grands moments de son règne, de votre point de vue, Stéphane, qu'est-ce que vous retenez de ces 70 ans de souveraineté d'Elisabeth II ? Ce qui est important pour elle, c'est d'avoir accompli sa mission. C'est ce sens du devoir, ce sens du sacrifice que plus beaucoup de gens de nos jours. Vous savez, on est dans ce qui pour elle est important, c'est de durer. D'ailleurs, Metternich le disait, le vrai chef-d'œuvre, c'est de durer. À l'heure justement où on est dans l'immédiateté, où vous voyez, ce qui compte, c'est la rapidité d'une story sur Instagram. Vous avez une souveraine qui est là depuis 70 ans et qui continue à faire son devoir. Elle a dit quand elle avait 21 ans, je vous servirai jusqu'à mon dernier souffle, que ma vie soit longue ou courte. Sa vie est longue, elle a 96 ans, elle continue d'exercer ses fonctions régaliennes, c'est-à-dire de signer les lois, d'incarner la nation britannique. Au fond, elle n'a créé aucune mode, elle n'a lancé aucune révolution, elle n'a pas accompli de gestes héroïques. Ce qu'elle a fait simplement, c'est accompagner les changements, les évolutions de la société britannique au fil des ans, et
Je dirais, si on veut être plus politique, elle a couvert de son manteau d'arlequin une certaine décadence de l'Empire britannique. C'est-à-dire que le peuple britannique a le sentiment que tout va bien parce que la reine est encore là. Mais si vous regardez à la loupe, vous voyez bien que depuis le Brexit, tout se délite ici en Grande-Bretagne. Oui. Vous avez par exemple les Écossais, aux dernières élections, le parti indépendantiste a encore gagné des voix. Et à tout moment, à cause du Brexit et renforcé par ce vote du Brexit, eh bien les Écossais ont envie de prendre leur indépendance pour rester dans l'Europe. De même que les Irlandais du Nord ont envie, le Sinn Féin a gagné les dernières élections, a envie de rester avec l'autre Irlande. Donc vous voyez qu'on a le sentiment ici que c'est un peu la dernière grande reine. Il y aura encore une monarchie, à mon avis, à la suite de la reine, mais c'est la dernière. Personne n'ose la froisser. Je voyais même que le Premier ministre travailliste qui vient d'être élu en Australie vient de nommer un ministre délégué à la République. C'est donc qu'il annonce la couleur pour ce qui se passera à l'avenir. Ouais, donc vous voyez, les Britanniques ont le sentiment que tant qu'elle est là, il ne peut rien se passer de grave. Et pourtant. Et ce saut républicain dont vous venez de nous dire que les Australiens semblent y songer, la petite île de la Barbade dans les Caraïbes l'a fait à l'automne dernier. On a vu aussi ce printemps le prince William et son épouse Kate Middleton annuler la première étape d'un voyage dans les Caraïbes en raison de protestations locales. On leur demandait de s'excuser pour le passé esclavagiste du royaume. C'est vrai qu'on a l'impression d'un effritement retardé par la longévité de la reine d'une certaine manière. Oui, exactement. Elle maintient au fond par sa personne, par son aura, parce qu'elle est une légende vivante, elle maintient justement l'Empire, ou en tout cas ce qu'il en reste, cette union de tous les pays qui ont été sous domination britannique et qui constituent le Commonwealth. Mais c'est vrai que le wokisme est très fort ici, dans l'Empire. Il faut rendre des comptes, c'est en Grande-Bretagne qu'on a déboulonné le plus grand nombre de statues, de bienfaiteurs de leur ville, mais qui ont gagné de l'argent par des actions négrières ou esclavagistes. Donc, si vous voulez, l'Angleterre est toujours soumise à s'interroger sur son histoire, sur son passé. La reine couvre cela. Je crains qu'à l'avenir, d'autres pays qui appartiennent au Commonwealth, peut-être l'Australie, peut-être le Canada, qui sont d'ailleurs des royaumes dont elle est la souveraine, mais d'autres pays comme la Jamaïque, comme l'a fait la Barbade, d'ailleurs la vraie reine de Barbade, c'est plutôt Rihanna aujourd'hui. Donc, vous voyez, ces pays vont se détacher progressivement de la tutelle britannique. Mais pour la reine, évidemment, elle est encore ce lien entre toutes les nations. Oui. Alors, j'ai vu ce sondage passer aussi, Stéphane Bern, qui nous interpelle, parce que vous évoquez le lien unifiant tous ces territoires de l'ex-empire britannique, qu'on a rebaptisé Commonwealth. Hein, d'ailleurs, ça s'est fait sous le règne d'Elisabeth II. Ce sondage YouGov qui nous apprend que 39% seulement des Britanniques pensent que l'institution monarchique, la monarchie britannique, existera encore dans 100 ans. Ce saut républicain qu'ont déjà fait certains territoires du Commonwealth, vous voyez l'Angleterre elle-même le faire ? C'est difficile à dire. Je note effectivement que sous l'emprise de Boris Johnson, mais mon séjour, il est un peu sur un siège éjectable, c'est ce que rappelle ce matin la presse britannique. On a le sentiment qu'il a détricoté au fond le traité d'union avec le pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord. Donc le Royaume-Uni est de moins en moins uni, mais il l'est de facto de moins en moins uni depuis le Brexit. Vous savez que ça a été cette question à séparer, à diviser des familles entières sur cette question. Et donc, on sent qu'il y a la désunion. Alors, c'est difficile d'en parler aujourd'hui, alors que pour la première fois, tous les Britanniques que j'ai croisés me disaient qu'enfin, on a le sentiment qu'une communion nationale a été retrouvée, oui. Surtout après 2 ans de pandémie, après le Brexit. On a retrouvé ce sentiment dans les rues de Londres et dans les rues de tout le pays pour célébrer la reine. Alors, est-ce que c'est un sentiment éphémère qui dure le temps d'un jubilé, ou est-ce que c'est plus
pérenne et qu'à l'avenir, je crois que la monarchie a encore de beaux jours devant elle. Il suffisait de voir hier l'acclamation, la clameur populaire, lorsque non seulement la reine, mais aussi ceux qui représentent l'avenir, c'est-à-dire William, les Cambridge et leurs trois enfants ont traversé les rues de Londres. C'était indescriptible de voir cet élan d'affection que suscite toujours la famille royale. Alors, vous avez évoqué effectivement le fait qu'à l'heure d'Instagram, de Netflix, pour l'institution monarchique sonne comme un petit peu surannée, mais aussi rassurant. Elle a eu droit à sa propre série, hein, la Reine The Crown, hein, qui, la série qui a extrêmement bien marché. Mais ça souligne d'autant plus, Stéphane Bern, la star systémisation d'une certaine manière de la monarchie britannique, où on a l'impression que le glamour, les paillettes, les scandales aussi entourant ce fameux Megxit, hein, c'est-à-dire ce départ de la famille royale de la part du prince Harry et de son épouse Meghan Markle, eh bien que le glamour est en train de l'emporter sur le sacré quand même qui entoure la famille royale britannique. C'est assez juste, vous avez raison. Et dans le même temps, l'aspiration du peuple britannique est assez contradictoire. On veut une famille exemplaire, mais on la veut comme nous. Au fond, c'est quoi la famille ? C'est pas une famille extraordinaire, les Windsor. C'est une famille ordinaire, placée par l'histoire dans une situation extraordinaire, parce qu'ils descendent de Guillaume le Conquérant à la 45e génération, et que, depuis 1066, c'est la bataille de Hastings, ils sont là. Alors, on a changé de famille. De branches de la famille, mais c'est toujours les descendants de Guillaume le Conquérant. Donc, ils sont à la fois, on leur demande d'être exemplaires, never explain, never complain, d'être parfaits, d'être... Mais ils ne l'ont jamais été, si vous relisez dans l'histoire au XVIIIe siècle, les Hanovres, les rois Hanovres d'Angleterre étaient d'affreux débauchés, et pour autant, alors, ils étaient impopulaires, mais la monarchie était populaire. Aujourd'hui, la question, c'est que la reine est très populaire. Est-ce que l'institution l'est autant ? C'est vrai que par sa médiatisation, elle a perdu quelque peu de son aura. Mais n'oubliez pas que c'est la seule souveraine européenne encore sacrée, ointe par les saintes huiles en l'abbaye de Westminster par l'archevêque de Canterbury. Et donc, cette onction sacrée en fait quand même un personnage à part. Alors, le jour où elle disparaîtra, même si on n'a pas le droit de parler de cette éventualité, elle le fait, mais nous, on n'a pas trop le droit de le faire, son fils sera sacré à son tour. Et donc, à ce moment-là, je pense que l'adhésion du public se tournera en sa faveur. Et Stéphane, vous êtes à Londres. J'imagine que vous avez croisé beaucoup de Français dans les rues de la capitale britannique. C'est étonnant quand même cette passion française pour la monarchie britannique. Comment vous la regardez ? Vous avez tellement raison. J'étais tellement surpris par ça. Alors, il faut dire que Londres est la sixième ville française. Tellement il y a de Français. Mais vous pouvez pas savoir, partout, dans les boutiques, les restaurants, dans les rues, j'ai vu des Français coiffés d'une couronne, d'un diadème, habillés aux couleurs britanniques. Cette monarchie britannique fascine, mais elle fascine pas seulement les Français, elle fascine le monde entier, hein. Il y avait des gens qui venaient du Mexique, du Brésil, qui étaient tout aussi fasciné. Mais c'est vrai que chez les Français, ça m'a toujours surpris. Le général de Gaulle disait « Les Français ont le goût du prince, mais ils vont le chercher à l'étranger. » Et lorsque la dernière fois que j'ai pu bavarder avec la reine, c'était en 2014, et je l'interrogeais, je disais « Madame, est-ce que vous n'êtes pas surprise de voir l'engouement des Français pour votre personne ?» Elle me dit « Oui, j'ai toujours été surpris. On me dit toujours que les Français sont révolutionnaires et sont coupeurs de tête, et pour autant, j'ai jamais été aussi bien reçu dans un pays qu'en France. Voilà, c'est notre contradiction à nous. Mais faut dire, on a aussi un président à qui on donne des pouvoirs d'un roi. Donc, disons que l'Angleterre est une monarchie un peu républicaine et nous sommes une république largement monarchique. très bien vu, Stéphane. Vous avez raison. Est-ce que la Ve République, c'est pas quelque part la synthèse de la monarchie anéantie par la Révolution française et de la République ? Merci beaucoup, Stéphane Bern, d'avoir été Merci beaucoup, Dimitri. En liaison avec nous depuis Londres ce matin.